Hey. Ça brûle, ça flex, flex. T'es ma légende, cette caisse, caisse. Rien que dans les bails, rien que dans les projets. Tu sais que négro, on a le mindset. Get le thermat, cette gadji. Putain, qu'est-ce qu'elle fait crari. L'argent pour me consoler. On fait tout pour se clasher. Partage-moi. Non, je partage pas. Moi, je partagerai. Et bon, une seule raison pour que je te partage. Ouais, c'est bien moi, c'est bien Strika les mecs. Ça va ou quoi, vous allez bien? Il fait pas si froid que ça en vrai de vrai. Mais bon, vaut mieux garder sa veste, on sait jamais, le soir il va peut-être faire froid, etc. etc. Donc je l'ai gardé. Je sais pas si vous kiffez ma veste, en tout cas aujourd'hui, vous avez vu, veste K8. Okay, parce que jamais personne m'a demandé ce que je portais sur moi, alors que j'estime avoir un bon flow quand même. Je sais pas comment si j'ai un bon flow les mecs, mais enfin bref. Veste K8, ok, Mushroom, édition limitée. Que quelques exemplaires, je crois il y en avait une cinquantaine. Chaîne Chrome Hertz, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez, hop, bas Chrome Hertz. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Bon, le jean il vient de chez Zara, hein. Voilà, c'est un petit jean comme ça avec ma petite paire de Off-White University Yellow, je crois que c'est ça. En bas de ça, j'ai un pull Galerie Depp et en fait, j'ai envie d'associer mon pull Galerie Depp avec quelque chose. Je crois qu'il me manque un accessoire parce que là on va au tournoi de gazo. Attends, avant de revenir à la vidéo, parce que oui, nous allons y revenir tout de suite, je dois vous parler du programme YouTube Automation. YouTube Automation est un business que j'ai lancé il y a quelques années de ça. Depuis que j'ai lancé ce business, j'ai pu être libre financièrement. Et j'ai pu sortir du salariat plus de 30 de mes élèves qui sont devenus indépendants à leur tour. Dans ce programme vidéo, je vais vous donner des instructions étape par étape pour que vous puissiez à votre tour devenir indépendant financièrement. Créer un revenu passif ou quitter littéralement votre job. Je vais vous montrer qu'il est possible de faire de l'argent en automatique sans montrer son visage, avec un simple ordinateur, une connexion internet et sans éditer de vidéos. Vous-même. Je vais littéralement vous donner les joyaux pour décrocher votre plaque en or. Je vais littéralement vous donner les joyaux pour devenir un entrepreneur à succès. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez accès à une aide individuelle avec moi ou un de mes experts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous acceptons que les personnes majeures et sérieuses. Alors arrêtez de glander, arrêtez de procrastiner, cliquez sur le premier lien dans la description maintenant. Surtout si vous voulez gagner entre 5 et 10 000 euros par mois. J'ai bien dit 5 et 10 000 euros par mois. Clique sur le lien dans la description parce que nous avons que 300 places disponibles actuellement. Et je détesterais te voir rater cette opportunité. Ski. Et il me manque un accessoire, il me manque quelque chose. Je sais pas quoi en fait. Je crois qu'il me manque une. Oh putain, attendez, laisse-moi regarder ma coupe. Oh, j'ai plein de trous partout là, c'est un truc de ouf. Je crois qu'il me manque une casquette, les gars. Je sais pas, je me dis juste, je pense qu'il me manque une casquette. Vous voyez ce que je veux dire, Armin? Bon, venez, on va acheter une casquette, allez, on y va. Ah oui, attendez, 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 parce qu'il faut tout montrer. Faut... Je suis bête, faut même montrer son calbar. Ceinture Goyard et calbar suprême. Voilà, comme ça vous savez. Mes chaussettes, vous voulez savoir mes chaussettes, c'est quoi? Non, je gole. Là, il n'y a vraiment pas de marque sur les chaussettes. J'ai même pas envie de vous les montrer en vrai. Le bonnet, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Juste le bonnet comme ça, je le porte juste comme ça, t'as vu? Juste histoire de dire, vas-y, je suis venu pour honorer un peu le tournoi, tu vois ce que je veux dire? On porte un peu le Gucci, tu vois ce que je veux dire? Il y a un mais. Donc là, là, tu vois, tout le gars, Ridev. Goyard. Je pense que ça va le faire. Je vais garder l'étiquette comme ça, juste pour faire chier les gens. Je vais dire, ouais, il veut trop montrer lui. Bien, ouais. Non mais 3-17. On n'est pas VIP nous. Ça c'est vraiment les trucs des mecs. Ils veulent trop flex. Non. Oh, y'a du monde quand même hein. La mort subite. Ouais. Little Boy, il va au lancer. Ouais. Après la mort subite. Ouais. Il le met. Attends. Serma, ça compte pas.
En mode le poids il est annulé. Mais je me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais là si vous aurez gagné, vous serez passé. Oui. Ouais, ça qualifie. On arrête au barrage. Les gars, faut arrêter. Ah, j'avoue, il y a 10 cas en jeu quand même. Hein. On va dire 2 mois à gazo. On va toucher 2 mois à gazo. Là, on va toucher 2 mois. Donc, en médica. Si c'est un tour d'affaire. Je suis en direction de la carpette avec Mondi. C'est lui les gars, c'est lui. Rendez-vous cet été les gars, rendez-vous. Ah, rendez-vous cet été, ça va être lourd. Ouais. C'est vrai que cet été les mecs. On va mettre combien bon, cet été on met combien? Un bon 2000-3000. Un bon 2000-3000. 3000 hein, je crois. 3000 ça sera bon. À la salle, mon gars, pour rire. C'est pas assez. Il fallait que ça soit plus serré. Pour qui pour moi. Là il a trop couru le prince, c'est pour ça je crois, il a pas de cardio ce mec. Il a négligé. Je vais même pas vous mentir. Je mets plus les pieds dehors, c'est fini. Je reste à la maison. Non. Je mets plus les pieds dehors. Si je mets les pieds dehors, qu'on me fout droit. Et j'ai juré qu'on me fout droit. Il y a 6 ans de ça, les mecs jouaient encore au basket, je crois. Il y a 6 ans ou il y a 7 ans de ça, je jouais encore au basket. Vous vous rendez compte qu'on dit qu'il y a 7 ans quand même. Il y a 7 ans de ça. Il y a 7 ans de ça, j'avais même pas la même coupe pour rougir. J'avais une coupe de fou. Il y a 7 ans, les mecs, ça passe tellement vite. Oh, putain. Il y a 7 ans, je jouais au basket. J'avais pour projet de faire du dessin. Aujourd'hui, je suis youtubeur. Influenceur, on va dire, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, parce qu'être influenceur, c'est vraiment parler tout le temps à sa communauté, vraiment leur proposer tout le temps des choses, etc., etc. Moi, je suis vraiment... je sais pas comment appeler ça, mais je suis vraiment le mec qui n'est pas hebdomadaire du tout et qui est plutôt... je sais pas. Saisonnier, on va appeler ça comme ça. Je suis plutôt le mec saisonnier. Genre, je me pointe un jour et je repars l'autre jour et je reviens plus, je repars, je reviens plus. Et ça, c'est à cause de simplement mon business qui marche bien actuellement, qui me laisse clairement le temps de faire ce que je veux et de ne pas trop être acharné sur le travail. Vous voulez savoir un peu ce que je porte sur moi? Parce que vous aimez bien savoir toujours ce que je porte sur moi et où je les chope. Bon, là, c'est un t-shirt Burberry, ok, de la dernière connexion. De la dernière collection. Pantalon Galerie Deb, jogging Galerie Deb et ma petite paire de... Hop,
Rick Owens, que je kiffe, super à l'aise des Rick Owens, donc voilà. Je vous les conseille, donc allez prendre votre petite paire de Rick Owens, même si celle-là, elle coûte un bras, ouais, elle coûte 1000 balles, donc vraiment un bras, vraiment une opération chirurgicale. voilà, si vous avez l'argent, achetez ces paires, mais si vous n'avez pas l'argent, laissez tomber. J'avais juste envie de vous dire comment je me sentais, parce que vraiment, des fois, c'est dur, le travail me rend fou des fois je suis assis, je réfléchis, j'ai mal au crâne, je me dis mais comment je vais réussir à faire ça, parce que des fois il y a des choses que je fais les mecs et c'est tellement ardu, tellement dur, je vous le dis pas, mais il faut passer par là pour devenir une personne compétente, tout simplement. C'est bien de tout simplement déléguer les choses aux autres, oui, mais si tu fais pas le travail d'abord par toi-même, tu ne deviendras pas un bon chef d'entreprise. Et j'estime qu'il est important de créer, de travailler de son côté, de comprendre les choses de son côté pour pouvoir tout simplement après déléguer et savoir comment agir avec ton équipe par la suite. N'hésitez pas à mettre la main à la pâte. Arrêtez de faire les flemmards. Travaillez pour vous et ensuite, les gens vont travailler pour vous. Mais d'abord, travaillez pour vous. Faites tout pour que ça soit simplement bien et quali. Donc faites les choses d'abord pour vous et ensuite voilà, proposez, déléguez. C'est très important parce que vous ne serez jamais servi par vous-même. Vous ne serez jamais servi mieux que par vous-même. Je ne sais pas si on dit ça, mais vous m'avez compris. Donc voilà les amis. Ah, j'ai synchronisé peut-être les contacts, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Je mets la musique forte, c'est ça? Oui. Allez-y. Ouais, c'est un beaucoup plus 108. Ah bah écoutez. Car c'est carré. Tu rappes? Car c'est carré. C'est carré. Car c'est carré. Ok. À ce qu'il paraît, je suis mauvaise. Je suis mauvaise. J'ai vu qu'une enfoirée. J'ai vu qu'une enfoirée. Dans l'histoire de la pomme d'Adam et Eve, je suis serpent à capter. Je suis serpent à capter. J'avais tout ça des salades. Le mot des pas de sale. Pas de sale. Pas de noir. Pas de noir. J'arrive comme une maîtresse. Je donne des leçons à ton chat. Tu m'appelles tous les soirs. T'as goûté la hache et t'as kiffé. J'ai ta tête au soleil le soir. Mais sache que jamais je rassasié. Sur toi j'aime bouger mon pôle. Mais bébé, je te fais un polo. Et si je vois rouge comme des lobos, je vais faire de toi ma salope. Galope. C'est quoi votre nom de scène, si je peux pas. Cara. Cara, ok. Oui, Cara, K-A-R-A. Ok, ouais. Ah, mais c'est génial, Lido. C'est parfait, c'est bon. C'est merci. Bon ouais, merci. Je pense que ça va bien marcher. Tu filmes vraiment comme un mec. Tu filmes. Moi, je filme toujours du bois. Je filme toujours du bois. Après, je suis un mec. Ouais, voilà, c'est ça. Avec Cara. C'est carré. On a mangé. C'était bon? C'était trop. T'as mangé quoi? J'ai mangé des aubergines, on va en prendre pour un guet là si je dis. Oh aubergines. Des aubergines grillées les gars, j'ai mangé des aubergines grillées avec de la mozzarella, j'avais pas... Je suis en plein régime en ce moment, laissez-moi de tranquille. Fou. Et un mocktail sans alcool. Et j'ai pris gros cocktail avec alcool et grosse pâte à la truffe. Là elle est bien. Parce qu'on vit qu'une fois. Je suis bon. Eh mais l'alcool. Je peux pas aller mettre l'alcool, je sais pas comment vous faites pour boire de l'alcool, c'est trop etc. Bon. Là ça passe pas. Comment tu fais pour ingurgiter d'alcool? Dis-moi. Comment tu fais pour ne pas ingurgiter d'alcool? Mais comment tu fais pour... Tu sais, moi, pour moi, l'alcool, c'est pour oublier les problèmes. C'est juste ça. Mais sérieux? Donc, les gens qui boivent beaucoup d'alcool, ils ont juste beaucoup de problèmes. Ah. Tu penses pas? Non. T'as pas de problème dans ta vie? J'ai des problèmes, mais je trouve que l'alcool, ça rend les choses encore mieux. Ah ouais? Grave, de fou. Mais t'es pas toi-même. En fait, moi, je trouve que l'alcool, c'est très très bien. Déjà, pour se sociabiliser, c'est très 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 bien. Ok. Et puis même, ça a très bon goût, en fait. Comment tu peux ne pas aimer de la vodka mélangée avec du jus d'hibiscus? Quelque chose qui va pas chez toi. Vodka avec du jus d'hibiscus, ça se mélange pas. Ah. Je suis la pro des cocktails, ça se mélange. T'as déjà fait des cocktails? Mais oui, je suis vraiment la pro des cocktails. Tous les cocktails que je fais, ils sont délicieux. Chez toi et toi. Mm-hmm. J'achète plein de trucs différents, je les mélange et tous mes cocktails, je te jure, c'est toujours des hits. Non, je te parle sérieux. Tu vois, déjà, comment elle a parlé ça, elle a dit je prends des trucs, je mélange et ouais, c'est toujours. C'est toujours déjà, des ça se voit que c'est du grand n'importe quoi. Là, elle va partir, elle va me laisser. Pourquoi tu me laisses?
Pas sûr. Rendez-vous business, sinon je serais resté. Obligé. Moi aussi, je fais un gros business. Ouais. Je fais un gros business aussi. Faudrait que tu restes. Partage-moi. Oh ouais, partage-moi. Non, je partage pas. Moi, je partagerai. Il y a une seule raison pour que je te partage. Il y en a pas. Faut que je fasse encore plus de tal. Tu feras des tal avec moi. Ouais. Juste des tal avec moi, ça. Tu vas être mon Mac. Oh écoute, peut-être mon pim. Si tu me donnes ce statut, pourquoi pas? Non, j'ai ça pour rire. Je t'envoie au charbon, tu reviens. Ah non. Bébé, j'ai ramené. J'ai ça pour rire en fait. Qui sait? Non. En plus, toi, t'as pas d'OnlyFans, toi. Non, mais jamais de la vie. Jamais. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que c'est de l'argent trop facilement gagné. Moi, j'aime bien galérer un peu. Ok. Elle a vraiment une businesswoman qui a de l'éthique, les amis. Attention, elle a de l'éthique. Parce qu'il y en a, elles n'ont pas d'éthique. Elle prend cette businessman parce qu'elles ont OnlyFans, mais en vrai, elles ne l'ont pas du tout. Non, je te jure, je pourrais te taper le million avec OnlyFans. Je me mettrais à fond dans les massifs, là, mais j'ai pas envie. Même mon pas. Contenu exclusif, il est vraiment exclusif. Exclusif à qui? Aux personnes assez chanceuses. Tu te considères comme quelqu'un de chanceux? Écoute, déjà, je suis avec toi, je suis chanceuse. C'est déjà une chose. Moi, je suis chanceuse. T'es chanceuse de quoi? C'est tout. Ah, ok. Je sais pas ce qu'elle voulait dire, mais apparemment elle était chanceuse. Peut-être que c'est parce je suis là, c'est pour ça. Tu vois pas. Ah, ok. Elle veut pas le dire, les mecs. Les mecs, elle veut pas le dire. Mais... Non, t'es pas trop triste? Triste de quoi? De ton départ? Oui. C'est vrai. Cara, elle va partir, je vais plus la revoir. Si. Quoi? Sans effet. Comment ça, sans effet, en fait, je fais des trucs comme ça. Si on va se revoir, qu'est-ce que tu racontes? Inch'Allah. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, ça va. On se revoit. Mais là où elle part, elle va m'oublier. Elle va même pas m'envoyer un message, le mec. Si, promis, quand j'arrive, je t'envoie un message. Ok. C'était juste pour qu'elle me dise ça. Vous voyez comment je suis? Juste pour qu'elle me dise ça. Trop needy. C'est bien, quand même. Tu vas voir un mec là où tu vois? Non. Business de meuf. Des meufs. Tu sais, les meufs elles aiment bien dire ça, mais derrière ça il y a toujours un mec. Non, c'est vraiment deux meufs en plus. Ah, si, un mec, mais il vient. Tu vois, je le savais, toujours non, un mec, il y a toujours un mec quelque part. Il vient parce qu'il est avec la meuf avec qui j'ai truc. C'est le mec la meuf. Avec qui t'as truc? La meuf avec qui j'ai rendez-vous. Elle vient de vous avouer qu'elle fait des trucs. Non, je sais pas. Non. Il est cool, il est carré. Oui, carré. D'accord. Il est carré. Moins Kiri. Ok. Sèche ta larme. Ça va aller. Non, ça va, je suis pas malheureux. Je la vois juste partir. Un peu quand même. Franchement, j'aime pas me calmer. T'aimes me regarder partir? Vas-y. Tu veux me voir partir? Pas. Regarde cette vision incroyable. Oh! Bye! Non, je cherche avec mon manteau quand même. Mais c'est beau de me voir partir, non? Est-ce que je dois dire, est-ce que c'est beau les mecs? Dites-moi en commentaire si c'est beau de la voir partir. Parce que moi je suis neutre, je ne peux rien dire. Salut quoi? Salut quoi? T'es arrivé frais, je vois tout ça. Non, même pas en fait. Donc toi ton poil. Petit frère. C'est bien toi. Les nouveaux ensembles de la marque. Ça va, ils sont badants quand même. Moi j'aime bien. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En soi, très lourd. Ah, une petite fente encore. Ok. On appelle ça du layering, les gars, si vous connaissez. Franchement. Encore avec la petite étiquette ici. HFP. Gone crazy. I'm crazy, my nigga. Bon, si vous voulez savoir ce que je porte sur moi, les gars, aujourd'hui, petit bonnet Gucci. Wick. Je sais même plus comment s'appelle cette marque là, mais c'est une marque indépendante carré. Je sais plus, ça m'a coûté 100 balles, un truc d'un genre. Ah oui, ça m'a coûté 300 et quelques. 100 balles. Je porte un jogging de la marque de mon gars. Mon gars va, il m'a coûté, parce que vous voyez, moi je suis un bon payeur donc j'achète, il m'a coûté, je crois, 45 euros, je crois, ou 35, je sais plus. Tu me diras dans les commentaires si c'est la bonne, si c'est le bon prix, mon ref. Balenciaga, Runner, m'a coûté combien? 900, 950 si je dis pas de bêtises, 950. Et ensuite, petit bracelet de ma chérie,
J'ai pas de chéri les gars, mais vous connaissez. Van Cleef. Ma chaîne Chromeheart ici avec mon sac. Alex. That's it, bro. That's it. Ah oui. Après, voilà, vous connaissez. Hein. Dior, Dio. Et le calbar. Il n'y a pas de calbar. Ah, si, il y a un calbar. C'est Calvin Klein. Bon. On est bon. Au revoir, merci.